Depuis, on a dit séance ça, qui fait côté gagné 53 députés qui votaient et contre, donc on a gagné 3 députés qui votaient, alors 53 députés qui votaient contre et la motion de mise en accusation, il y a 3 qui votaient pour, il y a 5 autres qui fait abstention, donc ça te baille. Et d'accord, 10, 61 députés, sont ensemble de 83 députés qui étaient présents dans la salle là, mais il y a l'autre au moment du vote qui était décidé par Chita dans la salle là. Donc, stratégie pas eux. Mais malheureusement, ils ont oublié l'article 156 des règlements intérieurs de la Chambre des députés qui dit que l'air au présent ou fait partie du registre de présence et tant que ou pas de faire une motion d'absence, et motivé, eh bien, présence là, il persistait jusqu'à la clôture de la séance. Et c'est dans ce sens-là, nous croyons que le dossier, ça, c'est un dossier qui est entériné au niveau de la Chambre des députés, donc il n'y a plus de dénonciateur encore par rapport à cette motion qui était présentée par 14 députés pour la mise en accusation. Donc, comme nous avons dit tout au début, donc c'était. Et on l'autre tentative dans le schéma de coup d'État que certains mondes ont mené à travers des partis politiques, à travers des mondes dans le secteur privé et même à travers des parlementaires. Et nous voyons que son tentative, malheureusement, qui piteusement échoué, qui n'a pas porté résultat. Et je vous dis, nous devons avancer et la Chambre des députés, dans très peu de temps, pour aller rentrer d'Acadie en vacances par rapport à la dernière session ordinaire qui a été gagné dans le cadre mandat législatif que le peuple a été baillé. Donc, nous devons avancer à autre chose puisque nous avons une nomination et un premier ministre qui fait là depuis un certain temps. Nous avons gagné au niveau de la Chambre des députés en commission spéciale qui était montée pour étudier pièces premier ministre et ministre. Nous croyons, et d'après toutes les informations que nous disposons, et la commission a baillé rapport déjà. À bureau chambre députée et maintenant séance là il était prévoit pour être faite vendredi dernier malheureusement et suite à séance et de mise qui était faite sous mise en accusation hein, qui était passée presque toute nuit là jusqu'à 4h30 du matin dans mercredi donc ça fait que bureau a été reporté séance là sinédiée. Donc, entre-temps, nous ne savons pas est-ce qu'il y a une nouvelle date qui est décidée, mais nous-mêmes, au niveau, et moi-même, au niveau du Palais, je suis encore informé de cette nouvelle date. Mais moi-même, je suis encouragé, député, et particulièrement le bureau de la Chambre des députés, pour être capable de fixer cette nouvelle date pour le Premier ministre présenter, alors paraître devant le Parlement pour le présenter, déclaration de politique générale. Et qui est son obligation constitutionnelle. Le rapport, d'après ça, moi, qui a circulé, est assemblé, il a indexé 4 ministres, soit pour manque de pièces. Par contre, est-ce qu'ils ont indexé de manière définitive? Ça veut dire que est-ce que ces pièces pour être capable de compléter? Ou bien est-ce que, parce qu'il y a une recommandation qui est faite dans Sam Deliato, qui dit que pour que tu es capable de gagner, formation de nouveau gouvernement, ça veut dire là, dit de nouveau gouvernement, c'est t'as capable de remplacer ministre Sayo par d'autres ministres. Donc on attend et comment le président de la République et le premier ministre pour aller au rapport, comment ils sont capables de procéder, n'est-ce pas, pour arriver d'accord dit résoudre problème ça que commission a dit relever. Au niveau de certaines pièces, on va se mettre au travail pour que vraiment le vrai problème, je vous dis, c'est tant de nouvelles dates là par le bureau de la Chambre des députés pour que le Premier ministre soit capable de présenter une déclaration de politique générale. Malgré l'effort que la police nationale a fait dans quelques endroits dans le pays, mais nous constatons effectivement que question insécurité, c'est un élément d'Acadie qui n'a pas quitté l'actualité, parce que c'est chaque jour où tu as gagné un cas, soit un policier ou bien un passant,
qui sont victimes dans nos zones ou dans l'autre zone dans le pays. Et c'est dans ce sens-là, gagner et soulever la police nationale doit continuer à doubler effort pour capable traquer bandits, quel que soit dans le coin côté, parce que seule force Jodia qui l'a est souterrain qui en présence qui capable et jouer rôle ça pour traquer bandits, c'est la PNH, c'est la police nationale. Et ben donc PNH là doit continuer chaque jour et développer des stratégies et avec efficacité, efficience pour permettre que yo fait face carré à bandits qui simulent la terreur en le pays. Et pas oublier donc institution qui gagne responsabilité de sécurité nationale, protection vie à bien monde dans pays a, c'est la police nationale. La commission est là pour le capable faciliter et désarmement et est là pour le capable aider l'État, et c'est pour sa président former commission ça qui sont commission présidentielle pour que yo capable travailler et avec communauté yo travail avec et de monde dans l'État et travaille avec de notables au niveau de société a, qui capable faciliter que et des bandits qui ouais que bataille que et, en fait il y a fait société à tort avec zam qui dans yo et Dakadou une prise de conscience qui commençait bon côté certains groupes et armés qui commençait remettre et commission ça certaines armes. Et là, nous encourageons la commission pour continuer le travail. Et nous tenons des fois tout yon fait appel et Dakadi pour que yon ait plus moyens qui pour aider yon dans le travail que yon fait. Parce que désarmement, il n'y a pas seulement prendre des armes dans les mains et les mais désarmement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que faut qu'on volet de réinsertion. Parce que vous prenez des armes, non, c'est des gens qui sont censés avoir des armes qui organisent la tête. Et puis, quand il y a, prend conscience que les choses ça soit la mené en prison ou bien la mené en bataille, il prend conscience pour quitter. Mais quand il y a société, à l'État, une responsabilité pour capable aider les gens à réinsérer la tête et nos nouvelles formes de vie. Et que la commission ça il est supposé qu'il y ait une voie et moyen pour que l'accompagner les gens à une nouvelle forme d'orientation que nous avons baillé dans la vie par exemple. L'entrée des classes sont affaires d'État, ok, et l'État a gagné responsabilité pour que les capable et fait tout ça qui dépend de lui pour non seulement nous voyons ouais, sortir examen là avec un pile difficulté, mais l'État n'a pas de faillite à missionner, il doit continuer le travail. Pour que l'école là, m'ta dit qui c'est une plus grosse institution que nous gagnons en pays nous, parce que si pas gagne l'école, donc m'ta dit que la vie a li tout campé. Et m'attendais malheureusement matin m'attendais au syndicaliste qui a dit que l'école là pas possible pour l'ouvrir. Et chaque année son bagage qu'on habitué avec lui, nous sommes moins en période de dans syndicat tout, nous t'es qu'on a fait des conférences de presse pour nous dire que l'école est pas paré pour l'ouvrir. Et parce que. Mais l'école là, il y a un calendrier qui est préétabli. Et calendrier ça, il y a des raisons, soit politiques, des raisons environnementales, qui fait que si on a perdu quelques jours de classe, eh bien, c'est des lacunes que tu as mérité combler. Et c'est dans ce sens-là, on n'a pas encouragé par eux, nous connaissons des bagailles difficiles. Le gouvernement a fait tout ça, ils sont habitués. Et fait accompagnement et pour entrer des classes année ça encore et a gagné accompagnement donc nous croit et tu as supposé gagner et même au conseil de ministre qui t'a doué et réfléchi sur rentrer des classes là parce que là et nous et dans période côté m'a parlé avec nous là nous gagnons deux bagages que l'État supposé travailler sur eux gagner d'abord rentrer des classes et il y a aussi la saison cyclonique. C'est deux éléments que l'État doit, malgré toute qualité de problèmes financiers que nous gagnons, mais l'État doit faire face à eux. Et c'est dans ce sens-là, l'État, c'est vrai, nous avons un gouvernement qui est démissionnaire, mais l'État continue à fonctionner, l'État continue dans le service que l'Union gagne pour le bail population, il doit continuer pour le bail service à eux. Et rentrer des classes,
nous connaît si tu gagnes un gouvernement légitime et si tu gagnes deux un nouveau budget donc mieux t'as pas abordé entre deux classes là peut-être avec d'autres moyens qui t'a capable faciliter par un yo fait face mais je dis à l'État à travers et mes moyens qui gagnent il a organisé et non si on pas commencé déjà bien sûr il a organisé et de travaux qui pour faciliter des parents capables de possibilités et soit dans nettoyage dans de bagages de haute intensité qui pour faciliter que parents yo gagnent un petit chocho qui pour permettre yo faire face à l'entrée des classes là probablement et dans les heures qui suivent ou bien dans jour cabine là dans semaines à même et ministère gouvernement capable gagner pour annoncer ensemble de mesures capable adopter pour entrer des classes mais est-ce que a gagné mesures pour faciliter la rentrée des classes oui a gagné comme d'habitude la loi fixée gagné loi et sénateur Kelly Sébastien t'est présenté et loi ça lié en vigueur puisqu'elle t'est publiée et loi ça t'a dit et que direction l'école yo et bon niveau yo pas gagné droit monter surtout les frais scolaires. Donc, année ça, on constat, des parents fait de constat, côté ouais que et gagné et de montée vertigineuse qui fait non et frais scolaires et que gagné des parents qui portaient plainte au niveau du parquet. La justice c'est lui-même qui l'a pour recevoir toute plainte. Donc, ministère de l'Éducation nationale lui-même est capable de joindre certaines revendications bon côté certains parents. Et certaines doléances, bon côté certains parents et ministère qui a toujours fait les suites nécessaires, par exemple, relais et directeur de l'école, et mettez-vous en face, loi ça qui est en vigueur. Ok? Mais, et parents qui a toujours porté plainte, pas devant, qui le doit et qui le doit, t'as dû agir en conséquence.